Bonjour. Dans ces deux vidéos, je parlerai de mots, connecteurs, adverbes, conjonctions, etc. qui sont régulièrement utilisés en français, mais dont on ne connaît pas toujours le sens. Et pourtant, ils sont très utiles à la construction d'une phrase, voire à la construction d'un raisonnement. Le premier mot est « aussi ». « Aussi » est un adverbe. On l'utilise pour ajouter une information. Il signifie « also »,« to », « as well ». Attention, il se place après le verbe conjugué et non en début de phrase. Par exemple, « j'aime aussi le chocolat ». « Aussi que » est utilisé pour exprimer une comparaison d'égalité. « As, as ». Par exemple, « je suis aussi jeune que toi ». « Aussi bien que » est également utilisé pour faire une comparaison d'égalité. « As well as ». Par exemple, « elle danse aussi bien que des danseuses professionnelles ». Mais « aussi bien que » est utilisé pour ajouter de l'information. « Both and ». Par exemple, « ils apprennent aussi bien l'allemand que le chinois ». Et enfin, « aussi » suivi d'une inversion du sujet et du verbe est utilisé pour exprimer une conséquence, « therefore ». Par exemple, « aussi avons-nous modifié notre hypothèse ?» Ainsi est un adverbe qui indique la conséquence, « thus ». Par exemple, « j'ai ainsi démontré l'efficacité de cette méthode ». Mais « ainsi que » est une conjonction qui est utilisée pour ajouter de l'information. « As well as ». Par exemple, Pierre est venu, ainsi que Marie. Nous avons ensuite différentes conjonctions de coordination. Tout d'abord, et, pour ajouter de l'information. Both and. Par exemple, je bois et du café et du jus d'orange le matin. Ou va indiquer une alternative. Either or. Par exemple, je bois ou du café ou du jus d'orange le matin. Soit exprime également une alternative. Par exemple, je bois soit du café, soit du jus d'orange le matin. Et enfin, ni exprime la négation de l'addition ou de l'alternative. Neither, no. Par exemple, je ne bois ni café, ni jus d'orange le matin, ou bien je ne bois ni du café, ni du jus d'orange le matin. Regarde la seconde vidéo avec les mots « même »,« si » et « encore ». Au revoir !